Okay. C'est bon. Donc, commencer la réouverture de la séance, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Et la séance est réouverte. Donc, oui, le conseil a discuté de la suggestion de M. Briard pendant l'ajournement. Ce que le conseil a décidé, c'est que on a bien compris la question et la recommandation. Cette année, on va faire telle quelle les années précédentes, puis mais on va le prendre en considération pour bien se préparer pour un changement de ce type. On va bien le prendre en considération pour la présentation du budget en 2020, puis si nécessaire, on va faire les changements appropriés. Merci à vous. Est-ce que là, vous allez prendre la porte? Robert vous a dit qu'on n'a pas eu de questions sur l'examen. Oui, oh, c'est vrai. Merci, M. Chartrand. Donc, on n'a eu aucune question qui sont arrivées en ligne. Donc, on va voter pour l'adoption de l'ordre du jour. Pour. 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 Et l'ordre du jour est adopté. Donc, première résolution, la levée du moratoire. Alors, le Conseil avait décrété par une résolution adoptée en novembre 2018 un moratoire qui avait pour effet d'empêcher la délivrance de tout permis de lotissement et de tout permis de construction, selon le règlement numéro 774, dans les zones que vous voyez à l'écran. Alors, le Conseil considère notamment que le moratoire a été instauré pour permettre aux élus de prendre un temps de réflexion afin d'identifier et de mettre en valeur les outils nécessaires pour protéger adéquatement les milieux naturels ainsi que l'aire de recharge des aquifères qui alimentent la ville et ses résidents en eau potable. Attendu que les élus ont mandaté le comité consultatif sur l'environnement de produire un plan d'action pour mettre en œuvre le plan directeur de conservation des milieux naturels de la ville, adopté en 2014, et de faire des recommandations pour intégrer ces éléments dans la réglementation municipale. Attendu que le plan de conservation doit faire l'objet d'une mise en œuvre par des mesures réglementaires et non réglementaires, telles que stipulées au schéma d'aménagement révisé 2015 de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges. Attendu que les élus ont reçu le rapport du CCE comprenant un bilan 2014-2019 du plan directeur de conservation, un plan d'action triennal 2019-2021 de mise en œuvre, ainsi qu'une liste de propositions de modification du règlement d'urbanisme et de nouveaux règlements. Attendu que les élus ont mandaté Maître Jean-François Girard, avocat spécialisé en droit de l'environnement et en droit municipal, pour les accompagner aux fins de la révision de la réglementation d'urbanisme actuellement en vigueur à Saint-Lazare, dans le but d'accroître la protection de l'environnement. Attendu que d'après les conclusions de l'audit réglementaire d'urbanisme mené par Maître Girard le 28 novembre 2019, les élus sont confiants d'être mieux outillés pour poursuivre leur démarche d'intégration du plan directeur de conservation dans la réglementation, il manque une virgule, afin d'assurer la protection des milieux naturels et des zones de recharge des aquifères sur le territoire de Saint-Lazare. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a demandé aux élus de lever le moratoire, en conséquence, le projet de résolution a été soumis, soit de mettre fin au moratoire imposé par la résolution 11-421-18. Donc, un vote, s'il vous plaît. Avant de passer mon vote, j'avais préparer quelque chose par écrit parce que j'ai un message que je voulais envoyer avant. Alors, je vais vous passer mon message au sujet du moratoire. Les orientations de la ville de Saint-Lazare dans son plan de conservation adopté en 2014 sont très claires. On parle de protéger et restaurer le couvert forestier. On parle de maintenir la diversité biologique, protéger les milieux humides, protéger les eaux souterraines, comme on en parlait plus tôt. La ville de Saint-Lazare s'approvisionne à 100% de l'eau souterraine. Et en plus, notre zone de recharge contribue à 41% de la recharge régionale. Ces orientations sont cohérentes avec les orientations du schéma d'aménagement de la MRC, du PMAD, de la CMM et du gouvernement du Québec. On peut également constater dans plusieurs documents tels les études de Genevar mandatées par la Ville, les rapports PACES et le rapport de la chaire Liberero qu'il y a de nombreux secteurs de la Ville qui ont une très haute valeur écologique,
tout en particulier dans l'ouest situé, où se situe aussi notre zone de recharge. Malgré ça, et malgré les recommandations dans le plan de conservation, les élus du temps n'avaient pas mis en place les mesures nécessaires dans sa réglementation pour assurer la protection adéquate de ces milieux naturels et de l'eau souterraine. On peut même constater qu'il y a eu certains développements résidentiels qui ont été construits dans des zones qui avaient été jugées sensibles et à haute valeur écologique. En fonction de ces nouvelles connaissances, les élus ici ont voulu agir. C'est pourquoi, il y a déjà plus d'un an, qu'on avait mis le moratoire en place. Le Conseil voulait prendre un temps de réflexion afin de mettre en vigueur notre plan directeur de conservation et de revoir nos règlements pour que nous puissions ajouter les outils nécessaires pour protéger nos zones sensibles et nos ressources en eau potable. Ceci était également une demande de nos citoyens. Avec l'aide de Maître Jean-François Gérard, qui est un avocat en droit de l'environnement et en droit municipal, et le travail acharné du Comité de l'environnement, nous jugeons maintenant disposer de suffisamment d'outils pour commencer à mettre en œuvre les règlements appropriés pour atteindre les objectifs que nous avions définis. Ceci dit, nous avons décidé de lever le moratoire aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Ça signifie que nous avons progressé. Les élus veulent rassurer les résidents que nous allons continuer de travailler sur le dossier pour assurer la protection à long terme de l'environnement et des ressources en eau potable. Nous ne pouvons plus continuer à faire les choses comme nous l'avons fait dans le passé. Ces enjeux sont trop importants. Les biens et services écologiques rendus par nos milieux naturels jouent un rôle crucial pour l'ensemble de la population de Saint-Lazare. Il faut souligner que la protection de l'environnement est une responsabilité collective. Avec les changements climatiques, ceci est encore plus important que jamais. Notre objectif est de maintenir une qualité de vie sur notre territoire, non seulement pour les résidents d'aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Alors, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait maintenant. Bravo. Alors, je vote pour. Pour. Et c'est pour ça que je voulais que les résidents restent pour les résolutions. Oh. Et si tu n'as pas une réponse en couleuvre. Et n'oubliez pas, le moratoire est un outil qu'on a changé pour un autre outil. Si vous restez un peu plus longtemps, vous allez le voir, on va te sortir notre autre outil. Pour. Pour. Donc, je retourne à l'ordre du jour. Donc, prochaine résolution, désignation d'un maire suppléant pour la période du 8 au 22 janvier 2020. Donc, une résolution en octobre dernier a désigné un maire suppléant pour agir conformément à la loi sur les cités et villes et à la loi sur l'organisation territoriale municipale. Le conseil doit revoir la désignation puisque M. Chartrand ne pourra assumer cette fonction pour la période du 8 au 23 janvier prochain. Alors, pendant cette période, ce sera M. Michel Poitras, conseiller du district 4, qui sera désigné comme étant substitut du maire et maire suppléant. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. On a aussi la désignation des signatures de chèques et autres évêques bancaires. Effectivement, c'est la résolution qui suit toujours une désignation à titre de maire suppléant. La Banque nationale, qui est l'institution financière avec laquelle la Ville fait affaire, demande une résolution pour confirmer les signataires. Donc, c'est un texte qui est relativement imposé par la banque. Alors, on réfère aux différents articles de la loi qui sont en cause. J'en profite là, pour enlever la référence croisée qui est maintenue. Donc, on va autoriser pendant la courte période de 3 semaines que les chèques soient signés non seulement par la trésorière ou par la trésorière adjointe, mais également par M. Poitras en l'absence du maire. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Donc, projet d'agglomération du parc de l'école Evergreen. Donc, on sait que les parcs-écoles sont mis à la disposition du public à la suite des heures de classe. On considère la politique 28 sur le soutien à la communauté, de même que la loi sur les compétences municipales, pour finalement proposer une aide financière à la commission scolaire Lester B. Pearson pour l'installation de jeux d'hébertisme au parc de l'école Evergreen. C'est un montant de 3 770 $ qui est prévu, soit un maximum de 50 % du coût total estimé pour le projet. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Pour.
Approbation de procès-verbaux, je ne me trompe pas, il y en a deux. Tout à fait. Donc, le procès-verbal qui a été rédigé à la suite de la séance de novembre, de même qu'à la suite de l'ajournement de cette séance. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Bon, projet de règlement 1079, justement, d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. Donc, l'objectif du règlement 1079 est de remplacer l'actuel article 449.1 du règlement de zonage et d'abroger l'article 450, notamment pour favoriser les écosystèmes et mieux les protéger, pour éviter aussi la fragmentation des grands massifs forestiers et la pénétration des activités anthropiques dans le milieu d'un grand intérêt écologique, dont le couvert forestier, et finalement aussi pour mettre en œuvre les énoncés du plan directeur de conservation qui a été adopté en juin 2014. Alors, essentiellement, sous réserve d'exceptions qui sont précisées au projet de règlement, qui sera adopté officiellement par la prochaine résolution, l'abattage d'arbres sera interdit, d'une part, à l'intérieur des bois et corridors forestiers métropolitains qui sont identifiés au plan 6 de l'actuel règlement de zonage, et d'autre part, à l'intérieur des forêts d'intérieur profondes qui sont identifiées à la figure 11 du plan directeur de conservation adopté en 2014, sous réserve toutefois que la superficie soit supérieure à 4 hectares. Alors, la figure va être intégrée au plan 6.1. Il y a des exceptions aussi qui vont être ajoutées pour permettre la réalisation d'un projet municipal autorisé par le Conseil ou aux fins d'autoriser la protection des personnes et des biens contre les sinistres en raison d'une sinistre, ou autre possibilité en raison d'une autorisation qui aurait été délivrée par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques auparavant. Le projet de règlement est également déposé. Donc, ça, c'est l'avis de motion. On passe au règlement. Je m'excuse, j'ai des problèmes de réaction. Alors, ce qui fait couler mes yeux, mais j'arrive à voir le texte, c'est bon? C'est déjà pas pire, tant que je ne suis pas allergique à l'écran, j'aimerais aller. Donc, le projet de règlement 1079, le premier projet est donc déposé ce soir officiellement. Donc, vous avez la résolution qui vise l'adoption du premier projet. C'est un processus qui est régi par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, le règlement de zonage doit être modifié pour tenir compte des préoccupations et des enjeux que je vous exprime par la suite dans le projet de résolution. Tout d'abord, le Conseil souhaite protéger les écosystèmes forestiers dans la mesure où la forêt n'est pas seulement un groupe d'arbres, mais aussi une variété de composantes dont le sol, l'eau, les habitats fauniques et les paysages. On considère également que le Conseil veut éviter la fragmentation des grands massifs forestiers et la pénétration des activités anthropiques dans les milieux d'un grand intérêt écologique, dont le couvert forestier. Le Conseil considère aussi son désir d'assurer la mise en œuvre des énoncés du plan directeur de conservation qui a été adopté en juin 2014. Le Conseil considère également les conclusions de l'audit réglementaire à laquelle on a fait référence un peu plus tôt ce soir, qui a été réalisé par Maître Jean-François Girard à la suite d'un contrat octroyé en septembre dernier. On doit aussi ajouter des exceptions à l'article 471.2 du règlement de zonage qui protège les milieux humides pour principalement considérer les projets municipaux en cours ou dont la réalisation est souhaitée par le Conseil. Les prochains articles sont des références au pouvoir habilitant. Donc, c'est-à-dire les pouvoirs qui sont prévus dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et qui permettent au Conseil d'agir ce soir, soit le paragraphe 12 de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, selon lequel le Conseil peut régir ou restreindre par zone l'excavation du sol, le déplacement d'humus, la plantation et l'abattage d'arbres et tous les travaux de déblais ou de remblais. Le paragraphe 12.1 du même alinéa de l'article 113, toujours dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, selon lequel le Conseil peut par règlement régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres pour assurer la protection du couvert forestier ou favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. Le paragraphe 16, toujours du même alinéa du même article, selon lequel le Conseil peut régir ou prohiber tous les usages du sol, construction ou ouvrage, ou certains d'entre eux, compte tenu soit de la proximité de milieux humides et hydriques, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l'environnement. Maintenant, on revient à la procédure qui est prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, tout d'abord, un premier projet de règlement doit être adopté en vertu de l'article 124 de la loi. Il y a aussi une séance de consultation publique qui doit être tenue en vertu de l'article 126.
Et en vous lisant le préambule, vous avez une bonne idée de quelles sont la portée du projet de règlement. Alors, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1079-P1. Le texte est joint en annexe au procès-verbal et il sera intégré au site Internet de la Ville d'ici la fin de la semaine. On fixe également au mardi 28 janvier 2020 le moment de la consultation publique qui est exigé par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci beaucoup. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Et voilà. Donc, prochaine résolution, c'est accessibilité à un rapport rédigé par la firme CDGE. La firme CDGE a produit à la demande de la Ville un rapport en 2015 au niveau de la station d'épuration des eaux usées. Il y a des portions de l'étude qui sont non accessibles en vertu de la loi sur l'accès, mais le Conseil souhaite rendre accessible l'intégralité de cette étude. Donc, c'est ce qui est proposé pour ce soir, de rendre intégralement disponible le rapport qui a été rédigé en 2015 par la firme CDGE. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Donc, accessibilité d'un rapport rédigé par le Comité consultatif en environnement, donc le CCE, concernant le plan directeur de conservation. Mise en œuvre plus particulièrement oui. Du plan directeur de conservation. Donc, on a fait référence à ce document-là un petit peu plus tôt dans la séance. Le rapport pourrait être inaccessible selon la loi sur l'accès à l'information. Alors, le Conseil souhaite le rendre accessible. Il sera d'ailleurs diffusé sur le site Internet de la Ville sous la rubrique Environnement. Merci. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Donc, embauche d'un superviseur d'entretien intérimaire, puisqu'effectivement, c'est pendant l'absence du superviseur actuel qui est absent pour une période indéterminée. Le candidat proposé possède l'expérience requise pour assurer les mêmes fonctions. Alors, il est proposé ce soir d'embaucher M. Éric Fréchette à titre de superviseur de l'entretien intérimaire au Parc Nature Les Forestiers de Saint-Lazare. C'est pour une durée maximale de 800 heures. Les conditions de travail sont précisées à un contrat qui est conservé au dossier municipal que vous voyez à l'écran. La dépense pour le paiement de la rémunération est déjà prévue par la résolution en début d'année portant sur les dépenses incompressibles. Et au niveau de la dépense et du paiement de la rémunération pour l'année 2020, ce sera prévu au prochain budget. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Donc, on a des comptes à payer, Mme Reynaud? Tout à fait. Alors, il totalise 3 908 738,56. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Rapport annuel en parlant de eau potable. Rapport annuel des gestions de l'eau potable. On l'a abordé brièvement un petit peu plus tôt ce soir. Chaque année, en vertu des règles qui sont imposées à la Ville, on vous dépose et en fait, on doit présenter au Conseil le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable qui a été préparé pour la Ville de Saint-Lazare. Donc, on vous dépose ce soir le rapport de 2018. Le rapport sera ajouté au site Internet de la Ville dans les prochains jours par le service des communications. Alors, le rapport comme tel, c'est sûr qu'en vous le présentant à l'écran, c'est vraiment très petit. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il sera intégré sur le site web de la Ville. Donc, vous pourrez le regarder dans un meilleur environnement et en faisant tous les zooms que vous voulez sur le document pour être en mesure de bien lire les différentes indications parce que vous voyez, c'est quand même petit. Alors, ce qui a été mentionné un petit peu plus tôt, c'est qu'effectivement, dans les années passées, les barèmes étaient différents. Les modes de référence, modes de calcul, modes de présentation aussi ont été révisés par le gouvernement du Québec. Alors maintenant, les comparables sont établis avec la province de l'Ontario, qui était, semble-t-il, la plus performante au Canada dans le domaine. Alors, vous voyez à l'écran, on l'a mentionné un petit peu plus tôt, les consommations par habitant ont diminué, mais malgré cela, la Ville de Saint-Lazare aura des petites améliorations à faire, puisque la consommation résidentielle estimée est à 269 litres par personne par jour, alors qu'on doit avoir un objectif de 201. Donc, il y aura des mesures qui seront prises pour atteindre l'objectif. Au niveau de l'indice des fuites dans les infrastructures, par contre, on est à 1,7, alors que l'objectif est de 2,3, ce qui est excellent, puisque nous sommes avec un niveau de fuite très faible de catégorie A. Donc, ça, là-dessus, il n'y a pas d'amélioration. On peut toujours s'améliorer, là, mais je veux dire, l'objectif est atteint.
Il y a aussi une référence au niveau de la pression moyenne des réseaux qui est à 51 mètres d'eau. Alors, c'est un niveau de pression qui est élevé là, selon ce que vous voyez à l'écran. C'est l'équivalent là, dans le barème en jaune qui est surligné. Vous avez donc, le rapport contient aussi des graphiques sur les différentes consommations en eau. Alors, on voit qu'il y a une baisse. En fait, le graphique est vraiment pas… Il y a une légère baisse là, depuis l'année passée. C'est quelque chose qui est quand même un peu variable dans le temps. Vous avez aussi… le rapport comprend un état et un plan d'action. Donc, de ce qui sera fait. Et d'ailleurs, on en profite dès maintenant pour vous annoncer que le règlement sur l'utilisation extérieure de l'eau potable sera vraisemblablement modifié au cours de l'année 2020 pour réduire les périodes d'arrosage permises, notamment au niveau des pelouses, et mettre certaines mesures pour réduire, parce qu'on sait que c'est là que le plus d'eau potable est utilisée. Alors, vous avez donc différentes mesures, les actions, vous avez des comparables avec les différents bilans. Au niveau de la pression, ici, il y a des explications qui sont fournies. Donc, le rapport en entier, de façon intégrale, sans les mentions en jaune que vous avez vues, va être déposé sur le site Internet de la Ville. Donc, un vote, s'il vous plaît. Il n'y aura pas de vote, monsieur le maire. Non, c'est vrai. C'est un rapport. Simplement. Un dépôt de rapport. Merci. Merci, Mme Reynaud. Accessibilité, rapport rédigé. Là, je suis perdu dans mes comptes. Merci beaucoup. On est rendu aux demandes. On est rendu au PIA, donc installation d'une enseigne, détachée d'un bâtiment pour le commerce situé au 1475 chemin Saint-Angélique. Donc, vous avez le chemin Saint-Angélique ici et vous avez en fait l'enseigne détachée du bâtiment qui est ici. C'est une garderie qui est en cause. Donc, ça vous, dans la mesure où ça peut vous permettre de vous localiser, on a la fameuse courbe là, de Saint-Angélique. Alors, c'est la propriété située au 1475. Alors, c'est le 19 novembre dernier que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié l'installation d'une enseigne détachée du bâtiment qui identifie la garderie Précieux Cargo Saint-Lazare, qui est située donc à l'adresse mentionnée précédemment. L'enseigne proposée a une superficie de 1,2 mètre carré. Et elle est composée d'un panneau de PVC avec appliqué de vinyle. Le projet doit respecter la réglementation municipale qui s'applique entre autres aux noyaux villageois. Le CCU recommande au conseil d'accepter le PIA qui a été déposé, sous réserve par contre qu'une petite modification soit appliquée. Le lettrage Précieux Cargo doit être en relief et les poteaux de l'enseigne doivent être en noir, comme en fait les poteaux qu'on retrouve sur le bâtiment. Alors, c'est ce qui est proposé ce soir, d'entériner la recommandation du CCU et d'accepter le PIA sous réserve qu'il soit modifié. Merci. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci beaucoup. Construction d'un bâtiment commercial est situé au 655 route de la Cité des Jeunes. Donc, vous avez en fait la route de la Cité des Jeunes qui est ici. C'est à la croisée avec le chemin Duhamel. Alors, on est du côté nord, si vous voulez. Alors, c'est le terrain qui est ici qui est visé. Donc, le 19 novembre dernier, toujours au même moment, le comité consultatif d'urbanisme a étudié le plan d'aménagement pour le terrain et une aire de stationnement de 23 cases. Alors, on voit les matériaux qui sont proposés pour la rénovation du bâtiment. Le projet respecte le règlement sur les PIA portant le numéro 776 et le CCU recommande au conseil d'accepter le PIA déposé. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Installation d'une enseigne rattachée au bâtiment pour le commerce situé au 836 route Cité des Jeunes. Donc, vous avez la route de la Cité des Jeunes à l'écran. On est à la croisée avec le chemin Saint-Angélique. Donc, c'est le commerce, la station-service qui est située juste ici à l'intersection. Vous avez un restaurant qui est vers, si je peux m'exprimer, l'arrière du bâtiment, donc Royal Pizzeria. En fait, c'est le nom du nouveau commerce. Donc, l'enseigne proposée d'une superficie d'1,6 mètre carré et elle est composée d'un panneau d'aluminium de couleur rouge avec du lettrage de couleur or. Le projet respecte les critères prévus à la réglementation municipale et le CCU recommande au conseil d'accepter le PIA. Un vote, s'il vous plaît. Pour.
Merci. Construction d'un bâtiment multifamilial à être situé au 1842 rue des Trèfles. Donc, on est dans le secteur, l'ancien, en fait, le parc, la place du parc, l'ancien camping Les Cèdres. Donc, vous avez la rue des Cèdres ici et vous avez l'emplacement où sera située une habitation multifamiliale. Donc, vote, s'il vous plaît. Pour. Si vous le permettez, j'aurais résumé le PIA, mais si vous souhaitez y aller comme ça, c'est que les moi, gens dans la salle… Moi, je fais juste écouter le maire, hein? Je m'excuse. Vous l'écoutez très bien. C'est pour les gens dans la salle, en fait, qui, eux, n'ont pas vu le procès-verbal aussi Madame souvent Renaud. Que vous. Alors, essentiellement, pour les gens dans la salle, donc, le plan d'implantation architecturale a été présenté. C'est un bâtiment multifamilial de 6 unités avec une aire de stationnement de 12 cases. C'est au 1842 rue des Trèfles. Vous voyez les revêtements qui sont en cause pour le projet. C'est un projet qui respecte, donc je rassure les gens, ça respecte la réglementation municipale sur les PIA et le CCU recommande au conseil d'aller de l'avant. De sorte que c'est ce qui est proposé et soumis au vote. Merci pour le résumé, Mme Renaud. Donc, un vote. Pour. 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 Et voilà, c'est fait. Donc, on a une dérogation mineure. Tout à fait. La dérogation mineure a déjà été annoncée par avis public, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, c'est une propriété qui est située au 1667 rue des Sablières. Et en fait, c'est pour régulariser la hauteur du garage qui est non conforme à la réglementation municipale. L'analyse du dossier s'est faite le 19 novembre par le CCU. La nature et les effets de la dérogation mineure, c'est en fait de permettre un garage existant avec une hauteur à 5,38 mètres et 5, en fait, la distance, pardon, entre le garage privé et le bâtiment est à 5,38 mètres, la hauteur est à 5,66 et selon le règlement de zonage, cette distance devait être au moins égale à la hauteur du garage, donc ça aurait dû être de 4,6 mètres dans le présent cas. La demande respecte les conditions d'émission d'une dérogation mineure. La demande aussi, elle a pour but de régulariser une situation qui est existante et le CCU recommande au conseil d'aller de l'avant. Comme il s'agit d'une dérogation mineure, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme exige du conseil que les gens présents dans la salle puissent se partager des pistes de réflexion, des opinions au conseil avant l'adoption de la résolution. Donc, si vous avez des questions, des commentaires concernant cette dérogation mineure-là, c'est bien le temps. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Et merci beaucoup. Construction de réaction mineure, conformité du plan municipal de sécurité civile. Alors, c'est une résolution qui est exigée en vertu de la loi sur la sécurité civile. Il y a certaines obligations qui sont imposées aux municipalités, entre autres de se préparer contre les divers aléas d'origine naturelle ou anthropique qui peuvent conduire à des sinistres. Donc, il faut être préparé pour de telles circonstances. La préparation aussi doit être maintenue opérationnelle et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil. Le plan de sécurité civile et le plan de mesures d'urgence ont été adoptés en octobre 2013. Et là est venu le temps, en fait, d'adopter une nouvelle mouture, si je peux m'exprimer ainsi, du plan, alors qui a été préparé par le coordonnateur des municipales. Municipal à la sécurité civile. D'ailleurs, c'est le directeur général qui est responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Et voilà, c'est adopté. Acquisition d'un cabinet d'exposition aux fins de la mise en valeur du patrimoine. C'est un cabinet d'exposition qui se retrouvera ici même à l'Hôtel de Ville avec des objets de la Société historique de Saint-Lazare qui y seront intégrés. Alors, pour conclure le contrat ci-dessous, on tient compte notamment des articles 573 et suivants de la loi sur les cités et villes. Donc, le contrat qui conclut prévoit la livraison et l'installation d'un cabinet d'exposition pour un montant de 14 946,75. Ça comprend les taxes et le fournisseur retenu est l'atelier du boulevard. La dépense maximale autorisée est de 16 000 $ et elle sera payée à même le règlement d'emprunt pour la construction de l'hôtel de ville qui est identifié par le règlement, le numéro 966. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Donc, aménagement de la salle au Parc Nature des Forestiers de Saint-Lazare.
Donc, il y a une aide financière qui avait été octroyée par la MRC pour la réalisation du projet Les Incroyables Chromosomes. L'aménagement d'une salle sensorielle, c'est une dépense qui est admissible selon l'aide financière et c'est destiné, cette salle-là, c'est destiné à une clientèle à besoins spécifiques. Ça s'inscrit notamment dans le cadre de la politique 23 qui concerne la famille et les aînés. Et ce sera aussi profitable aux enfants qui sont inscrits au programme particulier de camp de jour, le programme d'accompagnement. Alors, on accorde un contrat pour l'aménagement d'une salle sensorielle à l'entreprise Flag House Incorporée pour un montant maximum de 21 500 $. La dépense est autorisée à travers deux postes budgétaires que vous voyez à l'écran selon la proportion qui est précisée. Donc, vote s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Fixation des heures d'ouverture au public des édifices municipaux. C'est une résolution qui est revue de temps à autre. Elle est tout simplement remplacée en cas de besoin. Donc, compte tenu qu'il y a un nouvel horaire régulier pour les employés col blanc de la ville, alors qui a été entériné là, en octobre dernier, on met à jour les heures d'ouverture des édifices municipaux. Donc, essentiellement, la plupart des édifices municipaux seront fermés le vendredi après-midi. Donc, évidemment, la portion du site Internet où sont précisées les heures d'ouverture des bureaux va être mise à jour à la suite de l'adoption de la résolution. Donc, vous avez le détail pour chacun des services. Pour certains services, c'est demeuré inchangé et pour d'autres, il y a des petites adaptations qui ont été faites. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Remplacement de la flotte d'équipements de ski de fond. Donc, effectivement, il y a des soumissions sur invitation qui ont été demandées pour remplacer la flotte des équipements de ski de fond qui sont mis en location au Parc Nature et Forestier de Saint-Lazare. C'est l'entreprise Raymond Langteau Limité qui a déposé la plus basse soumission conforme avec une offre de 34 273,13. On considère la loi sur les cités et villes, entre autres sur le parce qu'il va y avoir une portion de la résolution qui va s'intéresser à la vente des biens, donc ça doit être fait à titre onéreux. On considère aussi le fait que techniquement, les tarifs devraient être fixés par règlement, mais que le conseil souhaite offrir en vente les équipements usagés de ski de fond qui seront par la suite le remplacer selon le contrat à être conclu. Le projet de règlement 1000, en fait, il y a un projet de règlement omnibus qui est en cours de rédaction et qui, entre autres, modifiera le règlement 1000 en ajoutant des nouveaux tarifs. Donc, éventuellement, les tarifs de vente des équipements seront ajoutés au règlement 1000. Par contre, les équipements de ski sont actuellement entreposés au chalet de location, donc ils sont facilement accessibles pour les gens qui voudraient s'en procurer. Alors, le conseil souhaite amorcer déjà, que soit amorcé en fait les démarches de mise en vente des équipements, même si les tarifs de vente n'ont pas encore été intégrés à la réglementation municipale. Alors, c'est ce qu'explique le dernier, le considérant. Donc, c'est pour des raisons de logistique et de saine gestion. Alors, tout d'abord, avant de conclure le contrat, il y a des transferts budgétaires qui sont faits pour un montant total de 35 000 $. Par la suite, on confirme la conclusion du contrat avec l'entreprise Raymond Langteau. On autorise donc la dépense pour l'acquisition des équipements de ski et ce montant-là de 35 000 $ sera celui qui sera publié au système électronique d'appel d'offres. Maintenant, si vous êtes intéressé de vous procurer des équipements usagés de ski, sachez qu'une paire, ça sera 25 $, les bottes seront 15 $ et les bâtons seront 5 $. C'est toujours en paire. Hein? Alors, ça vient, il ne faut pas acheter juste un bâton. Et le service des loisirs et de la vie communautaire est donc autorisé à amorcer le processus de vente dès demain. Merci, Mme Renault. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Donc, on va aller acheter des nouveaux équipements de ski de fond demain. Contrôle des eaux potables et usées pour l'année 2020. Donc, on le sait, la Ville doit produire régulièrement un contrôle de ses eaux, non seulement pour le ministère, mais aussi pour ses propres opérations. Donc, l'autorisation d'appel d'offres avait été donnée en début d'année, puisque c'est des appels d'offres qui ont lieu de façon régulière. C'est l'entreprise Eurofin Essais Environnementaux Canada Incorporée qui a fourni la plus basse soumission conforme à 28 556,35. Donc, ce soir, on autorise la conclusion du contrat pour un montant de 32 900. Ce montant-là sera inscrit au SCAO et le montant de la dépense sera prévu au budget de l'année 2020. Donc, déjà un scoop. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Pour.
Merci. Donc, on est rendu à l'acquisition du chargeur sur pneus avec accessoires. C'est une acquisition pour les besoins de la division des travaux publics du service des infrastructures. Selon l'analyse des soumissions reçues, c'est la société en commandite Strongco qui a déposé la plus basse soumission conforme avec une offre à 212 617,52. Donc, il est proposé ce soir de conclure un contrat avec ce fournisseur avec une dépense de 212 700. Elle va être financée à même le règlement d'emprunt 1074, qui est le règlement parapluie, qui autorise l'acquisition de différents biens, différents véhicules, en fait, pour le bénéfice des infrastructures. L'emprunt autorisé à même le règlement est de 201 300 $. Ça correspond à la dépense nette plus les frais d'émission de la dette à long terme. Le terme de l'emprunt est de 15 ans. Le montant du paiement est autorisé au fournisseur lors de la livraison du chargeur sur pneus et la dépense et le paiement maximal de 1 000 sont autorisés pour l'immatriculation du véhicule. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Service professionnel au fin de la conception d'un plan de développement durable. Donc, un appel d'offres qui a été lancé en octobre dernier. Selon l'analyse des soumissions reçues conformément à la loi sur les cités et villes, c'est la firme Nature Action Québec Incorporée qui a obtenu le pointage final le plus élevé. L'offre de prix était de 54 991, c'est sans taxe puisque l'organisme a le statut d'OBNL. De plus, l'organisme va devoir utiliser les données géospatiales de la ville, donc avoir accès à la plateforme GMAP pour réaliser des cartes et des figures, c'est-à-dire les mêmes données en fait fournies par la MRC en vertu à la suite du paiement d'une cotisation de la ville. Ça a été abordé d'ailleurs un petit peu plus tôt lors de la séance. Alors, il est proposé de conclure le contrat de service professionnel avec Nature Action. Le contrat sera conservé aux dossiers municipaux que vous voyez à l'écran. La dépense maximale autorisée est de 55 000 $ et elle sera payée à même l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2018. On permet aussi à Nature Action d'avoir accès aux bases de données géospatiales comme la ville peut elle-même y avoir accès et on donne cette instruction-là à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, un vote, s'il vous plaît. Je voulais juste dire que c'est un projet qui va être très intéressant et il va avoir un volet de participation citoyenne. Alors, gardez les yeux et les oreilles ouverts pour une invitation à participer au projet dans la prochaine année. Pour. 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 Et voilà, c'est adopté. Fourniture d'enrobés bitumineux. Il y a déjà un contrat qui a été autorisé en mars dernier, mais la dépense autorisée doit être révisée, entre autres parce que la quantité qui a été utilisée au niveau des enrobés bitumineux est supérieure, notamment parce qu'il y a eu plus de cycles de gel et de dégel. Les conditions climatiques aussi difficiles au printemps ont amené l'utilisation de plus d'enrobés bitumineux. Alors, la dépense supplémentaire autorisée pour le contrat conclu avec Pavage Roxboro Incorporé est de 7 200 $ taxes incluses. La fiche qui a été publiée au SCAO sera donc mise à jour en conséquence. Merci. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Installation de purge de vannes et de réfection de coupe au fin de... mais c'est pour les réseaux d'aqueduc pour favoriser le rinçage unidirectionnel. Donc, c'est un contrat qui a été conclu en août 2019. L'inspection provisoire a eu lieu le 20 novembre dernier. Selon le contrat, il y a un processus pour libérer différentes retenues. Alors, ce soir, il est proposé de procéder à la réception provisoire des travaux, d'autoriser aussi la libération partielle des retenues, ce qu'on appelle le premier 5 %. Alors, les conditions qui doivent être respectées, c'est tout d'abord le contrat lui-même et obtenir une recommandation favorable et écrite du directeur du service des infrastructures. Merci. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Ensemble, l'immobilier de la zone H120, réception provisionnaire. Donc, la réception provisoire pour merci. La place de la Croisée. L'inspection provisoire a lieu le 3 décembre dernier et c'est la firme des services EXP qui recommande de procéder à la réception provisoire des travaux après la correction de certaines déficiences, puisqu'ils sont chargés de la surveillance des travaux. Alors, il est proposé ce soir de procéder à la réception provisoire après confirmation que certaines déficiences auront été corrigées. Et sous réserve de la remise de nouvelles garanties bancaires,
au montant des travaux qui devront donc être réalisés en 2020. On autorise le directeur du service des infrastructures à remettre aux entreprises les garanties bancaires qui sont équivalentes à 90 % du coût des infrastructures. Ces nouvelles garanties vont être remises aux entreprises à la suite de la confirmation écrite de la réalisation des travaux à la satisfaction de la firme Service EXP et de la Ville. Il y a aussi d'autres garanties bancaires équivalentes là, qui sont remises dans le cadre du contrat. On prévoit également l'acquisition à titre gratuit de deux lots et il y a un contrat qui va intervenir avec un notaire pour préparer l'acte de cession. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Remplacement d'une section de conduit d'égout pluvial sur le chemin Saint-Angélique. En fait, on va y aller plutôt avec la voie de contournement, si vous le voulez. Oh, j'ai manqué la construction d'une voie de contournement, pardon, Madame Reynaud. C'est quand même une voie qui va rendre des gens très... La journée était longue. Pas la mienne, ça donne bien. Alors, c'est une voie de contournement pour la zone H334, aussi connue comme étant la Cité des Champs. Donc, on sait que le conseil avait comme objectif d'éviter la circulation des véhicules, entre autres, utilisés à des fins de transport d'abrasifs ou des opérations de déneigement, puisque le site de neige usé est situé au bout de cet ensemble immobilier dans le secteur, en fait, d'espace public utilisé par la ville. Donc, il y a une voie de contournement qui a été aménagée et qui va éventuellement être ouvert à la circulation publique, la rue du Parc industriel. On a eu quelques résolutions sur le sujet au cours de l'automne. Oui. Donc, on procède ce soir à la réception provisoire, puisque l'inspection provisoire elle-même a eu lieu le 9 décembre dernier. On a eu confirmation là, qu'il y avait certaines déficiences qui avaient été corrigées. Alors, encore une fois, c'est les mêmes articles qui s'appliquent au niveau de la remise des garanties bancaires. Il y a aussi l'acquisition à titre gratuit des lots qui composent les rues. Et il y aura aussi une servitude de protection de 15 mètres qui devra être obtenue pour des servitudes d'entretien. Encore une fois, il y a un contrat de service professionnel avec un notaire qui sera conclu. Et comme à l'habitude, le maire et moi-même sommes autorisés à signer. Merci. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Et voilà. Là, on est rendu au remplacement d'une section de conduit d'égout pluvial sur le chemin Saint-Angélique. Donc, le contrat a été conclu en juillet 2018. L'inspection finale des travaux, dans ce cas-ci, on est à la réception définitive. Elle a eu lieu le 23 octobre dernier. C'est la firme CDGU qui agissait au dossier et qui recommande de procéder à la réception définitive des travaux. Donc, c'est ce qui est proposé ce soir. On autorise aussi les libérations de finale de retenue selon les conditions usuelles, c'est-à-dire le contrat est respecté, il y a une recommandation favorable écrite de la firme CDGU et le directeur du service des infrastructures n'a pas d'objection au paiement. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Et donc, on est rendu à la dernière résolution du pavage pour des couches d'asphalte pour 2018. Donc, c'est la réception définitive. Tout à fait. Le contrat a été conclu en décembre 2018. On a une inspection finale des travaux réalisée en décembre de cette année. Toujours la firme CDGU qui était chargée de procéder, dans le fond, à la surveillance des travaux et elle recommande de procéder à la réception définitive. On a aussi le contrat qui prévoit un processus de libération des retenues. Alors, on procède ce soir avec les conditions habituelles. Il y a une retenue permanente, par contre, de 1 500 $ qui est conservée pour des travaux de correction de l'entrée Chartière au 1595 rue du Champagne. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Et voilà, dépôt de documents. Oui, alors les documents qui sont déposés ce soir, tout d'abord la liste des engagements, c'est en date du 4 décembre dernier. On a également la liste des personnes qui ont été embauchées depuis la dernière séance. C'est un dépôt qui est fait conformément au règlement 834 qui délègue certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, je dépose également le registre des déclarations de dons, marques d'hospitalité et autres avantages de même nature, rempli en fait qui est composé des déclarations faites par les élus au cours de la dernière année. Et je dépose également la décision qui a été rendue le 2 décembre 2019 par la Commission municipale du Québec à la suite d'une enquête en éthique et en déontologie qui a imposé une suspension sans solde de 15 jours au conseiller municipal du district 5. Donc, un vote pour la levée de la séance. Pour. 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 Et la séance, elle est bien levée.
Merci à tous et bonne soirée. Et on se voit la semaine prochaine au dépôt du budget. Yeah, it sure was.